CloudWatt est une des premières sociétés françaises de cloud computing. C'est une jeune start-up qui a démarré en septembre 2012 et qui fait donc du cloud à la fois storage et compute avec un actionnariat Orange, Thales et la Caisse des dépôts et consignations. On est présent sur ce forum, c'est une première parce qu'encore une fois, on est une jeune start-up. On démarre les relations écoles. C'est vrai qu'on a pas mal d'anciens de l'EPITA chez nous, que c'est plutôt une bonne école au vu des profils qu'on a chez nous et qu'on voulait démarrer assez tôt une relation de confiance avec l'école pour nous faire connaître des étudiants dans l'optique derrière de pouvoir les embaucher aussi en CDI, soit à l'issue des stages, soit après quelques années, quand ils ont un petit peu plus d'expérience. Aujourd'hui, en termes d'emploi, on propose vraiment une variété de postes assez importante, que ce soit sur la partie R&D, sur l'architecture, sur l'ingénierie logicielle, l'intégration, les réseaux, l'exploitation. On a un panel très large. On était 10 en septembre 2012, on est 90 là, on doit être 200 à la fin de l'année prochaine. Donc on a un gros volume d'embauche. Ce que je trouve intéressant dans les profils de l'EPITA, c'est qu'ils ont des connaissances qui sont très variées et il y a surtout ce côté autonomie qui est assez important parce que, en tout cas de notre point de vue, à l'EPITA on donne des connaissances mais on apprend aussi aux étudiants à apprendre. Et c'est vrai que nous, on intervient sur des technos qui sont assez nouvelles, sur lesquelles les étudiants ne sont pas forcément formés ou ont énormément d'informations. On sait que les étudiants de l'EPITA auront la capacité à s'adapter rapidement et à appréhender rapidement ces nouvelles technologies.